Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Mesdames, Messieurs, Saïd, comme où que vous soyez, donc un grand bonjour et mes meilleurs vœux à tous les Algériens, où qu'ils soient sur la planète, mais aussi à tout le monde musulman. Donc, ravie de vous servir ce matin, donc première émission après ce mois sacré de Ramadan qui nous a unis dans la fraternité, dans la joie et aussi dans l'esprit de partage et de solidarité. Donc aujourd'hui, nous allons entamer un nouveau cycle à l'approche de l'été. Donc le programme va en changeant. Donc aujourd'hui déjà, nous allons parler de la mer. Mais de quelle manière, vous me direz? Ben, nous parlerons du mois du patrimoine et à cette occasion, gros plan sur une institution culturelle qui n'est pas très connue. Il s'agit du Musée National Maritime d'Alger, donc qui ouvre ses portes quotidiennement à l'occasion du mois du patrimoine, c'est-à-dire du 18 avril jusqu'au 18 mai prochain. Donc aujourd'hui, nous parlerons du programme de cette institution culturelle dont la vocation est de restituer l'histoire de la marine algérienne, mais aussi la vie de l'homme depuis ses premiers contacts avec la mer. Voilà qui est dit par rapport à l'une des thématiques retenues pour ce matin, mais aussi nous parlerons de chants lyriques dans cette émission, puisque nous recevons Mohamed Yassine Yahyaoui, qui est chanteur lyrique, qui enseigne aussi ce chant en particulier, qui se produit assez souvent sur nos scènes. Aujourd'hui, il se prépare pour un beau voyage vers Moscou à l'occasion d'une très belle compétition qui fait que l'Algérie participe, représentant tout le monde arabe, justement à l'occasion de ce festival dont on parlera avec lui tout à l'heure. Mais on parlera aussi de l'apprentissage de cette musique en particulier. Alors dans cette émission, nous sommes dimanche, n'oublions pas. Alors tous les dimanches, nous recevons nos amis de l'équipe, en l'occurrence Aïda Meshrib pour le coin psychologie. Elle nous parlera justement de cette occasion très particulière qu'est l'Aïd dans la cohésion sociale, aussi dans la transmission au sein de la famille. Et puis nous aurons l'occasion de retrouver Djaoudet Guessouma pour les bonnes feuilles. Lui aujourd'hui a choisi de mettre en relief deux auteurs, Khaled Naili mais aussi Abou Samra le Palestinien, mais également deux événements qui réunissent les amoureux du livre, deux salons en l'occurrence, celui de Chlef, le salon du livre Hassim Ben Bouali, mais aussi le salon de Tunis où Djaoudet a participé justement à l'occasion d'une très belle rencontre autour de l'art contemporain. Nous aurons l'occasion aussi de retrouver Yezid Ait Mahieddin pour ses coups de gueule et ses coups de cœur. Il nous mettra certainement en valeur des événements qui ont marqué cette semaine. Et puis, bien sûr, Maryam Moussaïd nous parlera des vertus des plantes, comme d'accoutumée. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. Je vous souhaite un bon départ avec nous pour cette émission. Et bien sûr, le départ se fera avec Amal Haribi tout au début, bien sûr, avec un point météo. Et c'est parti. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معن نصنع المستقبل. Saïdé Kamel. Bonjour Nadia, Saïdé également. Oui, ravie de te retrouver. Oui, des retrouvailles. Après quelques jours seulement. Oui. Une semaine s'est écoulée depuis notre dernière rencontre. Ça et puis, je vous retrouve en forme, ça fait plaisir. Donc voilà, le mois de Ramadan qui oui, est bon, quand même qui est agréable mais aussi fatigant. Donc il a eu son incidence, mais pas sur vous. Non, du tout, non. Sur moi, c'était oui. C'était agréable. Ah oui. Ben oui, je vous retrouve en super forme, c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je ne vais pas, c'est ça l'astuce. Ah ben voilà. C'est que je ne veille pas. Il fallait me la dire au début. Ah non, il fallait me la donner l'astuce tout au début du mois. Mais en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, Amel. Merci, et ravie également de retrouver tous ceux qui viennent de prendre le train en marche. Donc bonjour d'Algérie. Plusieurs thématiques, belles thématiques vous attendent. Mais avant, voici venir les nouvelles du ciel. Et c'est parti, merci. Merci Nadia, bonjour à tous, c'est bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura un temps dégagé à partiellement valise, pratiquement l'ensemble des régions côtières. Par contre, les régions intérieures et les plateau. On aura quelques passages nuageux qui seront parfois accompagnés de quelques pluies orageuses vers les hauts
plateau de l'ouest et l'est. Des foyers orageux également sur le plateau du centre. La moitié sud, eh bien, le ciel restera le plus souvent voilé tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Gard, le Tassili, avec une tendance orageuse. Quelques pluies prévues, pouvant être prévues vers le nord Sahara, également la Saoura, avec toujours des foyers orageux. Ailleurs, le soleil sera bel et bien présent et à noter des semences de sable cette fois-ci vers le Sahara central, le nord Sahara et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par endroits. Le maximum 31 degrés à Rolizane, 28 Lemcin, Tizi Ouzou, 26 degrés à Oran, 24 à Alger, à Naba, 25 Sétif, Djelfa, 27 à Batna, 23 degrés à Al-Biyod. Au sud, eh bien, on relèvera 31 degrés Biskra, Gardaïa, Tamanrasset, 32 à Béchar, 34 Ilizi, également Djanet, 35 degrés à Tindouf, 36 à Drarin Salah, 37 à Bolch, Bedjimourta, et le maximum cette fois-ci à Ingazam avec 39 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée, à calme sur toutes les côtes algériennes avec des vents variables, des vents qui varient entre 10 et 20 km/h des côtes ouest, centre et est du pays. On va faire un petit voyage cette fois-ci vers le continent africain, mais plus le sud de l'Afrique, avec des passages nuageux qui peuvent engendrer quelques pluies à Abuja, à Abidjan, également Antananarivo et le Cap, des passages nuageux à Lusaka et Kinshasa, des pluies assez marquées vers Addis Abeba et Nairobi. Côté mercure, on relèvera 16 degrés seulement vers le Cap, 27 à Antananarivo, 22 à Nairobi, 23 à Addis Abeba, 33 à Bangui, 34 à Abuja et également vers Kinshasa en passant par les 33 degrés à Bangui. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. D'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معنا نصنع المستقبل. Merci infiniment, Amel, pour toutes ces précisions. Je vous souhaite une agréable journée. Excellente journée également. En tout cas, merci de m'avoir permis de réviser un petit peu ma géographie africaine. Ah bon ? Oui, le continent africain. On varie un peu les continents, c'est bien. Oui, voilà le continent chaud qui reçoit beaucoup de pluie, j'ai remarqué, oui, c'est bien. C'est la saison, oui, pour eux. C'est bien. C'est, comme on dit, c'est presque la saison de l'hiver. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, bien sûr, tout dépend de notre position par rapport, au, comment on appelle ça, L'équateur, non. L'équateur, oui. C'est ça. La ligne du milieu, c'est l'équateur. Effectivement. En tout cas, on est bien positionné, on a la chance d'avoir le meilleur climat. Profitez-en où on a que les vous soyez. Saisons. Absolument. Profitez de cette belle journée qui s'annonce du côté d'Alger ou ailleurs. Donc, on est ravis de vous servir jusqu'à 9h30 ce matin. Donc, on reprend les anciens horaires, vous l'aurez remarqué. Et aujourd'hui, par contre, on ne déroge pas à la tradition de vous offrir une chanson. Et c'est Hamza Namira qui ouvre le bal avec ce très beau cover de Al-Hajj Al-Hajmi Garwabi. Allo, allo. وحدني غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينت البلدان جزائر زينت البلدان الو 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 من فضلك جوزي للقصبة الو 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 وش حالك يا حومة بابا الو 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 وش راهي بحذاك القبة وش روحة لوليد فلان قولي له راني في غربة من وحش وشعلة نيران من وحش وشعلة نيران Thank you.
وحدني غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يا هاتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينت البلدان جزائر زينت البلدان الو 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 من فضلك راني نستنى الو 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 هذه الغربة طالت عنا الو 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 متمنى نشوف فيك الجنة باب الواد كثير لمحان البيار ما بغى يعيط لنا ضرب النحو بقى غفلان ضرب النحو بقى غفلان وحدني غريب انا عايش وحدني غريب انا عايش وحدني غريب يهتف ليك العنوان كلم لي الوطن الحبيب 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 كلم لي الوطن الحبيب 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 جزائر زينت البلدان جزائر زينت البلدان Eh oui, Jazair Zint El Bouldan, et chanté par la bouche d'un Égyptien, c'est quand même très valorisant. Donc Hamza Namira qui reprend énormément de chansons de notre patrimoine de si belle manière. Donc on est toujours ravis de le mettre en avant. Donc ravis également de vous servir, mesdames, messieurs. Merci de nous rejoindre dans Bonjour d'Algérie. Je vous avais promis de belles thématiques. Entre autres, nous recevons aujourd'hui parmi nos invités d'honneur de cette matinale. Donc Mohamed Yassine Yahiaoui, bienvenue. Bonjour, Sbah Alaikum. Ça va comme. Très bien, on merci beaucoup. On nous a ramené très tôt. Hein. Ça va, c'est le début déjà. De... Oui, c'est le début après Ramadan, donc le rythme diffère quand même. Mais en tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. C'est avec plaisir. Voilà, on a des petites annonces. On va parler aussi de chants lyriques avec vous, puisque vous êtes parmi les plus belles voix actuelles dans bon, ce style et ce genre musical. On est ravis de vous recevoir ce matin. Marhaba bik. Plaisir pour moi. Voilà, Sahaïdik. Et Sahaïd, gars la famille Yahiaoui. Oui, voilà. C'est très gentil. Sahaïd qui est Aïda également. Ça va? Super bien, alhamdoulilah. Moi, je vais bien profiter. Voilà. Ah, oui. Un bon chant, un échange. Voilà, oui. La festivité, Inch'Allah, l'Aïd et Djouz Sahaoulana. Et justement, voilà, vous avez mis le doigt dessus. Donc, on parle de l'Aïd ce matin avec vous. On parle aussi de son incidence sur la famille, sur cette cohésion familiale, sur cet échange qui favorise justement la transmission de nos traditions, nos us et coutumes, n'est-ce pas? Pas que ça, pas que ça. Les rituels sont très très importants. Il y a quelque chose de transmis d'une génération à une autre dans tout ce qui est tenu, les gâteaux, les rituels aussi, l'échange, tout ça. Mais il y a une partie très importante qu'il faut vraiment préserver, c'est la partie plaisir. Mmh. Aujourd'hui, si on construit un tout petit peu les rituels dans l'anxiété, il faut faire vite, il faut être à l'heure, voilà, il ne faut pas casser, il ne faut pas permettre aux enfants de salir un peu leurs vêtements, il faut, on étouffe un tout petit peu tout ce qui est joie et transmission, et puis on laisse la partie la plus importante qui est ce sentiment, voilà, l'affect qui nourrit un tout petit peu l'événement lui-même. Mm-hmm. Fêter l'Aïd, peut-être pour des familles, c'est très important. Et puis, ils ont la joie de recevoir les petits-enfants, des portes ouvertes. Et puis, la joie de nourrir un peu tout le monde, de partager les gâteaux. Pour d'autres, non. C'est une porte un peu serrée, pour ne pas dire fermée. Oui. Et puis, ils ont la lourdeur de pouvoir vraiment permettre leurs enfants de toucher à d'autres copains dans la rue, d'échanger avec... Alors que c'est ça, en fait, c'est la fête des enfants par excellence. Voilà. Hein, voilà. Vous vous rappelez un petit peu de votre enfance? C'est sûr. Donc, l'Aïd, c'est toujours le grand partage. C'est vraiment le moment convivial avec la famille. C'est là où on rencontre tout.
toute la fratrie, tous les cousins et cousines aussi. C'est le courant des gens qui viennent, les retrouvailles, des gens qu'on ne peut pas voir toute l'année. Donc c'est ça, je vois. Oui. Mais c'est vrai qu'on a cette joie de recevoir de nouveaux habits, d'être je pense qu'en des Algériens, on doit, même si on ne peut pas préserver les mêmes rituels, mais on doit au moins trouver des alternatives, d'autres rituels qui font plaisir et qui viennent pour... qui puissent aller dans le même sens, effectivement. Donc voilà, donc c'est important donc, de préserver ce rituel, hein, Haïda. C'est très important aussi de trouver les modalités qui peuvent vraiment trouver un compromis, une liberté, quelque chose qui peut permettre à ces familles de pouvoir vivre la dynamique dans l'échange et puis la rencontre, dans le don, dans le reçu. C'est ce qui nourrit la sociabilité chez l'enfant. Mmh. Et puis c'est important de souligner quelque chose de très très important. La fête pour les enfants, c'est une manière et c'est des exercices d'identification. C'est des exercices aussi d'imitation. Mmh. Comment les enfants ils vont comprendre que c'est l'Aïd ? C'est une manière d'imiter les adultes, de s'asseoir comme eux, de s'habiller comme eux, de prendre les gâteaux, de respecter un tout petit peu. Et puis c'est important de dire à ses parents, à ces adultes qui les entourent, qui sont en train de nous observer, ils sont en train de suivre nos chemins pour le transmettre un jour, et puis c'est important de leur permettre vraiment de s'inscrire et de les écouter. C'est aujourd'hui, si on passe un tout petit peu à côté de cet échange extraordinaire, peu sont les expériences qui vont nous le permettre. Ce n'est pas comme à l'école, ce n'est pas comme vraiment dans les activités sportives ou culturelles, c'est vraiment très particulier, c'est religieux, c'est une transmission à part entière, c'est un amour à part entière, c'est quelque chose qu'on peut vraiment leur inculquer, mais aussi leur permettre de vivre et de goûter à ça, qui reste vraiment le vrai bagage de l'âme. Et puis c'est ce qui peut nourrir un peu nos enfants dans les journées où on ne sera pas là, dans les journées où ils vont échanger avec d'autres avec cultures. D'autres cultures, d'autres personnes, etc., quand ils vont grandir. Mais c'est vrai que ces souvenirs restent immuables. Absolument, pour ma part, absolument. Ils sont encore vivants, ils sont vivaces et j'ai encore le souvenir de mes parents qui me sortaient, qui nous sortaient tous pendant l'Aïd, on s'amusait ou ils nous laissaient aller au cinéma. Par exemple, il y avait des séances cinéma pour les enfants et on profitait, c'était magique d'aller magique voir. Aussi, voilà, sans les adultes, juste les enfants, c'était particulier. Je reviens un peu à ces objets, à ces jouets, c'est offrir et recevoir des petits cadeaux qui étaient un peu très simples, mais qui nous permettaient quand même de courir. De passer une bonne journée. Ben voilà, je crois que il faut faire la part des choses. Comment aujourd'hui on peut offrir à nos enfants et leur permettre de vivre un tout petit peu la joie. Et on a ceux qui privilégient un peu les anniversaires. C'est convivial, c'est petit, dans leur cocon familial, ils peuvent fêter autour d'une tarte un anniversaire, mais l'élargir vers deux fêtes très importantes, l'Aïd al-Fitr et l'Aïd al-Adha, c'est quelque chose qui va nourrir nos enfants de l'intérieur. Comment le partager avec la famille nucléaire, les amis, mais aussi la famille élargie, comment le vivre avec tout le peuple. C'est dans la télé, dans l'échange, à la radio, c'est des images qui nous parlent. Pourquoi priver les enfants? Pas seulement les enfants, les adultes aussi. Il y en a ceux qui se privent de le vivre. Qui le vivent peut-être pas comme ils se devraient, comme ils se doivent. Donc c'est vrai que dans certains pays, la fête est grandiose et donc voilà, toutes les fêtes sont une opportunité pour vivre des moments de joie et profiter justement d'éliminer tout le stress. Stress. Du travail, le stress du quotidien. Et ce sont de très belles occasions pour éliminer toute tristesse. Ça fera un peuple beau. Tristesse, bon, et, les moments de deuil et très aussi. Joyeux et très épanoui. Les moments de deuil aussi. Aujourd'hui, si on parle de l'Aïd, c'est peut-être joyeux quand on l'apporte comme ça pour des familles. Il y en a d'autres, surtout pour les familles déchirées, surtout là où ils ont perdu des personnes chères. C'est important de pouvoir... placer des mots, de pouvoir permettre à nos enfants de parler, de dire, de partager, de sentir la présence de l'autre, de visiter, d'avoir cette image. Mais chacun va trouver le compromis de parler de ces personnes proches très chères qui nous ont quittés. Mais l'Aïd, c'est comme le mois sacré. C'est une table avec des chaises vides, peut-être des assiettes vides, mais aussi, voilà, je crois que c'est très très difficile. Mais aussi, c'est une manière de travailler aussi le deuil, de permettre
de dire les choses, de les faire sortir, de ne pas rester dans tout ce qui peut nuire un tout petit peu à cette joie. Mm-hmm. Une déprime, une tristesse, une angoisse qui peut... quelque chose qui n'a plus du goût. On a comme des mamans qui ne retrouvent plus le goût d'offrir à leurs enfants, aux personnes qui les entourent, des pères qui n'ont plus la force de conduire la voiture et puis de visiter un peu les montagnes et de revenir sur les pas de l'enfance. Il y a quelque chose chez nous, adultes, qu'il faut qu'on le travaille et puis qu'on fasse un tout petit peu cette partie deuil, cette partie tristesse, qu'on plie un peu la page pour permettre à nos enfants, pour permettre aux gens qui nous entourent aussi, de goûter et de vivre un peu ces moments qui restent clés. Il faut saisir ces moments pour faire la force de changer et puis de sortir un peu du gouffre et puis de changer. Je trouve aussi que la vie, les circonstances aussi, la situation en général, la situation économique, même les... La complexité de la vie, oui, surtout la ville, la capitale ou les grandes villes. Si on voit sur les petits villages, et je pense qu'à ma connaissance, ils gardent quand même des petits rituels, mais à la ville, on doit avoir une adaptation, comme vous dites vraiment, c'est tellement pertinent. On doit trouver une façon pour fêter l'Eid, même pas que l'Eid al-Fitr, même l'Eid al-Adha, d'une façon, on s'adapte, on doit s'adapter. Ça me permet justement d'avoir une pensée particulière pour toutes ces associations qui ont très bien travaillé durant ce mois de Ramadan et qui continuent de le faire pendant l'Eid, en soutenant justement toutes les personnes dans le besoin, mais aussi en offrant de la joie. De la présence aussi à ces dames qui sont dans les hospices pour personnes âgées et aussi les malades qui sont dans les hôpitaux. Les associations font un travail incroyable et bravo, chapeau bas à tous les bénévoles qui se sont déployés dans les hôpitaux pour offrir ces moments de joie face justement à ces maladies qui perturbent l'enfance. Moi j'ai vu des personnes qui ont travaillé pratiquement pour offrir des cadeaux, pour revenir un tout petit peu, pour nourrir la table de Maïdat Ramadan, pour vraiment la fête de l'Ritana, c'était des fêtes aussi, un partage extraordinaire. Les tenues pour l'Aïd, il y avait un échange et un recueil. Je crois que, de plus en plus, on a cette force de la société civile qui s'enchaîne pour pouvoir vraiment trouver les formules et puis toucher les familles, les orphelins, de vraiment créer les événements autour de ces tables, autour de ces familles qui sont extraordinaires. Moi, je crois que, si vous me permettez, je puisse ouvrir une parenthèse, pourquoi ne pas s'inscrire aussi pour sensibiliser un peu les parents qui se déchirent, les personnes, enfin, les couples, les parents divorcés qui privent un peu leurs enfants d'une visite, d'une joie, d'un échange, d'un câlin. Aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment suivre un peu le cheminement et cette force de joie et de bonheur en tant que musulman pour qu'on puisse permettre à ces enfants qui n'ont pas vu leur père, n'ont pas vu leur maman, et puis qu'ils puissent avoir ces droits de visite et puis ces rencontres, ces belles rencontres, parce que l'Aïd reste un événement sacré. Un événement et familial. Familial, qu'il faut vraiment le saisir et puis vivre un tout petit peu l'échange dans la sérénité, dans l'amour, dans la joie. Et ça, ce n'est pas pour les adultes, c'est pour l'enfant lui-même, pour sa personne, son bon développement, pour qu'il puisse vraiment acquérir quelque chose qui est plutôt du rituel, c'est culturel, c'est religieux, mais aussi le développement affectif pour la personne et l'enfant. Si on reste dans la psychologie, ça nourrit énormément, ce sont ces petits actes qui vont leur permettre d'avoir un moi solide, un équilibre, un échange, un regard, une estime pour l'autre, estime pour les deux parents, parce que ça reste l'histoire des deux. Effectivement. Ça nourrit énormément. Et puis voilà, la colère, et puis là, c'est vaut mieux passer l'éponge et puis essayer de simplifier les choses quand c'est des occasions comme ça. Absolument, absolument. Oui, c'est la vraie richesse pour les individus qui vont vraiment, vraiment saisir aujourd'hui. Inch'Allah, merci infiniment Aïda. Donc justement, parmi les personnes qui donnent énormément
durant les fêtes, ce sont les artistes. Et voilà. Et Mohamed Yassine Yahyaoui, ici présent, du haut de son jeune âge, il est très jeune, il est encore étudiant en pharmacie, ouais. Il n'a pas encore fini. Ouais, mais déjà, il s'implique dans la transmission de la musique et de l'enseignement de la musique, n'est-ce pas? Exactement, donc tout d'abord je reste toujours enseignant, toujours étudiant, donc j'apprends toujours, mais j'essaie quand même de vulgariser, de partager cette passion que j'ai, donc exactement le chant lyrique, la musique classique, et à travers des activités, à travers des rencontres, à travers des galas de musique, donc ouais. ça reste un élément fondamental pour construire aussi soi-même, construire sa passion et encore voir large en ce qui concerne Un enfant qui pratique un art, donc est un enfant plus ou moins épanoui, ça aide énormément dans la construction de la personnalité de l'enfant, de pratiquer une discipline artistique. Vous avez opté très tôt pour la musique classique et le chant lyrique. Vous avez été orienté quelque part par des personnes qu'on peut citer aujourd'hui quand même. Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, donc à mon jeune âge, donc j'avais un peu l'opportunité de vivre dans une famille un peu, donc dans une famille cultivée, donc qui a toujours valorisé l'art. Des mélomanes. Oui, donc qui a valorisé aussi la science. Et voilà, j'ai mon oncle qui est poète, j'ai Allah yarhamou, c'est le chaïr Aïch Yahyaoui, j'ai mon oncle aussi Khali qui est aussi pianiste. Et en chemin faisant, j'étais en terminale, je pense, et je vois une annonce sur la radio qui disent voilà, c'est la chorale de la chaîne 3 qui ouvre ses portes. Donc, je suis venu avec ma mère et je suis venu pour faire des déclamations de poèmes, pas pour chanter. D'accord. Et je vois le grand Hakim Mdani au piano pour faire le casting. Et voilà. La tentation était au rendez-vous. Donc, j'ai connu la musique avec Hakim Mdani, que je le remercie beaucoup, vraiment, c'est un grand monsieur. Et après, je me suis intéressé plus au chant lyrique. Oui. Je me suis intégré à l'Institut Régional de Formation Musicale. Classe de chant classique chez Madame Tatiana Saoulé, qui m'a beaucoup donné, qui m'a beaucoup formé, qui m'a beaucoup ouvert les yeux. Excellente pédagogue qui relève de la musique classique. Exactement, elle a formé pour le moment une dizaine de chanteurs lyriques depuis les années 80 qui sont un peu dans le monde, au Canada, en Russie, donc... Oui, c'est dire un petit peu, voilà, c'est mettre en relief aussi cet apport de la part de Tatiana Saouli, donc qu'on salue si elle nous regarde ce matin, peut-être qu'elle aura envie de voir son élève, et donc on lui dit « Sahaïd Koum, Kulaam Touma Prer » et justement, elle a mis le pied à l'étrier pour Yahyaoui, et du coup, petit à petit, la carrière s'est lancée, et donc vous vous retrouvez aujourd'hui au sein d'une formation au niveau de l'Opéra d'Alger en qualité de soliste. Exactement, donc c'est plus une pratique donc, soutenue et mise en avant par le maestro Lotfi Saïdé, que j'ai commencé à monter sur scène avec lui depuis 2021. C'est une belle opportunité et aussi une opportunité formante. Maintenant, j'ai eu l'occasion de chanter à l'ouverture du Festival international de la musique symphonique avec Nour El-Kef, Yamina, qui était déjà, on était déjà passé chez vous à Radio. Oui, absolument, vous avez reçu. Et voilà, donc en faisant des masterclass aussi à l'opéra, donc depuis février, on a eu deux. Cette année, vous avez eu droit à deux boom. Deux grands ténors italiens qui sont venus, on a eu des masterclass avec. Et j'ai aussi la formation avec Monsieur Zoher Mazari à Conservatoire d'Alger, qui est aussi de notre même génération et qui est vraiment une personne qui valorise les artistes. Et lui-même, il est très jeune. Il a appris aux côtés d'un grand maestro. Donc Camille Puider a été son mentor pendant des années. Même le grand Aziz Hamouli. Tout à fait, Aziz Hamouli, Lahirahmou. Lahirahmou. Et donc, c'est vrai que ça lui a ouvert une voie. Il est devenu chef de chœur. Exactement. Et bien sûr, il a offert lui-même l'opportunité à de jeunes chanteurs
pour avoir justement une présence au sein de la chorale, mais aussi d'émerger en tant que soliste dans des spectacles. Soit dans le style classique, même dans tout ce qui est patrimoine. Donc, on voit une richesse, on voit une agrégation comme ça dans la société, même dans le courant, dans le courant artistique, on voit qu'il y a vraiment plusieurs... Vous sentez, quand vous êtes sur scène, vous sentez qu'il y a intérêt pour cette musique en particulier. Oui, oui. Il y a un public qui a été fidélisé depuis des années. Exactement. Hein. Donc, à l'opéra, je sens que... Et c'est ça qui me pousse encore à faire découvrir le public des choses plus belles et se performer, travailler sur soi pour leur montrer, voilà. Vous êtes ténor. Oui, je suis ténor. Et qui, parmi les ténors de ce monde, lequel vous préférez le plus? De ce monde, je dirais... Celui qui vous a le plus marqué, qui vous a un petit peu donné envie d'aller le plus loin. C'est Luciano Pavarotti. Pavarotti, ben incontournable. On va demander à Aïda aussi, qui est son préféré. Sans hésitation. Voilà, c'était... Allez, on va vous voir sur scène un petit instant et on revient. Bravo, hein, on a envie de se joindre à ce public. On parlait à l'instant justement de ce public. On voit à quel point il est réactif avec vous. Je me souviens particulièrement, je pense que c'était au mois de février. C'était un spectacle classique, sans occasion, de l'Opéra d'Alger. Et c'est pour la première fois que j'ai chanté le Brindisi, de Verdi. Et voilà, je me souviens, tout le monde a aimé. Tout le monde aime ce morceau. Oui, hein. Oui. Et surtout les encouragements après le spectacle, on voit les encouragements des gens qui viennent pour soutenir. On est content d'avoir des Algériens qui chantent le lyrique et tout. Et tout ça, c'est des Et qui dansent un peu de valse. Oui, pas très prudent. La danse de valse n'était pas très. Ah ben vous avez quand même eu le courage de faire quelques petits pas. C'était très beau à voir en tout cas. Oui. Voilà. Donc. Maintenant, je vois que c'est important cette diversification d'intérêts, de styles qui émergent en Algérie, parce que c'est en fin de compte c'est le mélange qui fait agrandir ou qui fait pousser de nouvelles choses. Absolument, oui. Et ça crée de la richesse. Exactement. Ça crée aussi des opportunités de fusion et de collaboration. Et surtout sortir de ce que j'appelle moi la musique de consommation. Donc on a la musique consommable, c'est comme les plats. Aujourd'hui on a tacos, demain on va avoir burger, demain on verra quelque chose d'autre. Ça, c'est éphémère. C'est bien diversifié, effectivement. Je veux dire que c'est la musique de consommation, c'est éphémère. Mais il faut toujours, pour les gens qui sont engagés dans l'art, il faut toujours revenir pour marquer les activités culturelles qui sont plus ou moins fondamentales, qui sont plus ou moins culturelles. Absolument. Plus que fantaisie. Plus que, voilà. Oui.
En tout cas, vous vous embarquez dans quelques jours en binôme avec Ahmed, qu'on a reçu il y a quelques jours, justement, un autre chanteur de la même génération, qui est encore étudiant, mais qui va représenter l'Algérie et vous l'accompagner, justement. Il vous a choisi en tant que binôme voilà, pour l'accompagner à cette manifestation. On peut en parler aussi ? Bien sûr. Donc, Ahmed, c'est un ami, c'est un grand ami. On s'est connu à la chorale, déjà de Hakim Ndani depuis 2018. D'accord. C'est un métier qui remonte à loin. Exactement. On a travaillé, on a eu presque le même parcours. Ah, bah, c'était... ouais. C'est la chanson napolitaine. Festival. Voilà, un autre duo, là c'était avec qui ? C'est avec toujours Yemin Elkab, soprano. Oui. C'était le 15 octobre, Festival international de musique symphonique à l'Opéra d'Alger. Solo Mio, reprise donc par votre duo, c'est pas mal. Solo Mio, c'est le premier duo qu'on a monté, Nour et moi. Donc, je me souviens, je reviens à Ahmed. Donc, je vous ai dit, on a eu presque le même parcours. Mm-hmm. On a fait la chorale Mdani, après on a fait le tour des chorales d'Alger, du chœur d'Alger. Et enfin, on a directement l'IRFM, l'Institut Régional de Formation Musicale, où on a commencé l'expérience. Et voilà, on a participé, tous les trois, moi, Ahmed et Nour, dans un concours russe qui s'appelle, dans un festival qui s'appelle Road to Yalta. Mm-hmm. Donc voilà, il y a toutes les nationalités qui viennent pour chanter des chansons russes à sa langue propre. D'accord. Et voilà, Ahmed a été sélectionné parmi un grand nombre de Exactement, chanteurs. Exactement. Donc Ahmed ou bien aussi l'Algérie va être le seul pays africain et arabe qui va participer dans la festivité de Road to Yalta. Donc mardi, Inch'Allah, on y sera à Moscou pour... on va aussi concourir, donc il y a... Ben, bonne chance en tout cas, voilà, on vous souhaite bon vent pour cette expérience nouvelle, donc c'est très bien, et puis vous verrez un petit peu la place rouge, et vous ferez un peu de tourisme aussi, vous découvrirez Moscou, extraordinaire. C'est extra. En tout cas, voilà, c'est valorisant pour la jeunesse algérienne d'avoir des représentants du monde arabe, justement à cette manifestation, parce que vous êtes les seuls arabes à prendre part à ce concours, et on est ravis vraiment de vous encourager à travers notre émission. Et puis voilà, on le disait au téléphone hier, on parlait, et vous me disiez, voilà, c'est un petit peu comme la cuisine aussi. Oui. C'est un petit peu comme la cuisine, donc on consomme différemment tel plat et tel plat et tel plat. Et c'est ainsi que se développent aussi, comme des champignons, les chorales en Algérie. Oui. Moi, je vois que le mouvement de chorale est un mouvement fondateur de l'artiste en général. On a la majorité des artistes algériens, surtout dans ce qui concerne la musique ou le chant, qui ont fait des passages de chorale incontournables. Je citerai donc chronologiquement les grands chœurs d'Alger qui existaient autrefois, avec le grand Rabih Qadim, Allah yarhamo, Aziz Hamouli. Et maintenant, à Alger, même toute l'Algérie, on a quand même des collectifs, des chorales qui naissent, qui commencent à travailler, qui essayent. Et voilà, je pense qu'il y a un travail de soutien pour les soutenir, surtout en ce qui concerne la formation. Aussi, on a problème de lieu, donc où ils vont faire leur répétition, des lieux de répétition. Exactement. Et je vois que les connexions ou bien des rencontres entre chorales de différentes régions d'Algérie est une action fondamentale qu'il faut vraiment mener. Mm-hmm. Les chorales, c'est quoi la chorale ? Donc, c'est un sport collectif, donc c'est comme les sports collectifs, c'est enrichissant. On chante les différents chants polyphoniques de tous les pays, donc ça nous sert à... Ça fait voyager. Je me souviens, Hakim Ndani, quand on commence le spectacle, il dit « accrochez vos ceintures, on va en Pérou, on va à Cuba ». C'était ça un peu le concept. À Alger, maintenant, on a presque 4 chorales qui sont plus ou moins
en activité, en action. Et d'autres wilayas, on peut citer dans l'Algérie entière, on a presque environ maximum une vingtaine de chorales, en comptant celles qui commencent à naître. C'est un beau florilège, oui, oui. Et vous avez le mérite d'être parmi les meilleures, celles qui sont en tête de classement en tout cas, celles qui sont le plus en vogue, la chorale d'Alger et puis aussi la chorale polyphonique de... Il y a aussi la chorale Naram qui est... Oui, oui, oui. Donc, il y a toute une histoire derrière elle, effectivement. Oui, oui. Il y a la chorale polyphonique d'Alger qui aussi travaille des œuvres aussi classiques et importantes. Oui, en tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup, Mohamed Yassine Yahyaoui, pour cette participation en ce premier jour qui suit l'Aïd al-Fitr. Donc, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses, entre autres une bonne chance au concours qui vous attend et puis une bonne continuation à ce beau parcours. Je vous remercie, Radia, c'est très gentil. Merci infiniment. Agréable merci. Semaine. Tout le plaisir est pour nous. Donc, merci aussi à Aïda qui était avec nous ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée et une agréable matinée. Ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent ce matin et qui ont vraiment profité de ces bons gâteaux, de ces bons mets de l'Aïd. On continue encore de donner envie au plus gourmand avec ce portrait dressé par Afaf Belouchette, celui d'un pâtissier qui vit en France, à Paris. Tout au long du mois béni, Walid, diplôme d'un master stratégie marketing et business développement en poche, a respecté le même rituel qui commençait dans la cuisine du 213 store. Et pour cause, il devait préparer du qalbelous frais au quotidien en choisissant méticuleusement sa semoule. Oh, voilà, ça correspond bien au toucher. Puis là, je vais mettre mon sucre. Du qalbelous, on peut travailler avec plusieurs semoules, enfin la moyenne et la grosse principalement. Et chacun en fait, je travaille à sa manière. Moi aujourd'hui j'aime bien la moyenne, c'est vrai que j'aime bien en fait, j'essaie de travailler sur le côté léger du qalbelous. Le qalbelous pour moi c'est un gâteau voilà, iconique et quelque part je lui rends hommage ici avec ce travail. Mais ce que j'aimerais retravailler, en tout cas moi je le revisite à la manière dont je l'aime, c'est quand il est plus léger et quand il est moins sucré. Même précaution au sujet de l'eau de fleur d'oranger qu'il veille à doser avec subtilité. Chacun va mettre son niveau en fait, de fleur d'oranger. Il y en a qui aiment vraiment le parfum de la fleur d'oranger, qui aiment la sentir à pleine bouche. Quoi. Moi par exemple, j'aime pas trop, je préfère que c'est un peu plus subtil. La fleur d'oranger, j'aime bien le goût à l'arrière-goût, mais pas, je veux pas que ça prenne le dessus. D'autant plus que d'autres saveurs vont venir lui disputer les palais et c'est toute l'originalité de ce qalbelous que Walid revisite et décline sous une multitude de parfums, une aventure gustative qu'il a débutée il y a 3 ans. C'était ma sœur qui voulait du qalbelous et j'ai voulu en fait le revisiter, j'ai vu pas mal d'ingrédients autour de moi et je me suis dit j'ai envie de faire un pomme caramélisée, c'était le premier que j'ai voulu faire et pour rigoler ma sœur m'a dit que ça s'appellera un crumbelous et du coup j'ai fait ça, ça a beaucoup plu tout de suite et après je me suis amusé à faire d'autres goûts. Un crumbelous mais aussi un pistachelous ou encore un délicieux roselous. Pour ce natif d'Alger, chaque pièce doit être une œuvre d'art qui véhicule l'élégance de nos maïdettes et au-delà. J'adore le ramadan en fait, moi c'est surtout un hommage aussi au ramadan, cette période qui nous rassemble tous et c'est ça les valeurs vraiment que je prône et j'ai voulu en fait donner ma touche pendant cette période à ce gâteau iconique. Rien d'étonnant dans Kelbenna, marque de ce qalbelous créatif, ait rencontré autant de succès. Un succès qui a poussé cet autodidacte chef pâtissier à troquer son costume de comité manager contre son tablier de cuisine. Et l'idée est de mettre cette pâtisserie algérienne par excellence à l'honneur tout au long de l'année. Voilà des mets et des gâteaux qui nous donnent toujours l'eau à la bouche. C'était un reportage signé Afaf Belouchette qui nous permet aussi de parler d'un lieu, voilà, c'est une belle transition pour parler de ce lieu qui a servi, qui a abrité de grands fours à l'époque coloniale, mais qui a toute une histoire qui remonte au 19e siècle. On va en parler ce matin avec la directrice justement de ce temple culturel qu'on appelle le Musée National Maritime d'Alger. Bienvenue donc à Amel Mokrani, directrice de ce musée. Bienvenue, c'est musée public ou musée national ? Musée public national. Voilà. Oui, bienvenue, exact. On est ravis de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Saïd Koum, Koulamoutoum Aprir,
قبل العام الجاي ان شاء الله ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يلقانا بالصحه ولهنا اي اون اي رافي aujourd'hui de parler de cette institution culturelle qui n'est pas très connue finalement donc qui a de plus en plus connue certes mais elle gagnerait encore à avoir un peu de lumière sur elle donc voilà il s'agit d'un musée qui met en relief l'histoire de la marine algérienne et l'histoire aussi de la vie de l'homme depuis ses premiers contacts avec la mer n'est-ce pas oui Alors, c'est la vocation première de ce musée. L'Algérie est riche d'une côte de 1600 km et cette côte a permis à l'homme algérien depuis toute son histoire, depuis son existence, de produire un patrimoine qui est là et dont se charge le musée maritime. Donc nous avons cette noble mission d'identifier ce patrimoine maritime, de le conserver, de l'intégrer dans ce musée et de le faire connaître et le valoriser. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le lieu, on va dire où il se trouve. Il est à la basse Casbah, donc c'est au cœur d'Alger. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont les voûtes, ou ce qu'on appelle la voûte Khaledine, qui abrite ce lieu magique. Alors moi je dirais qu'il y a la basse Casbah, oui. dans la partie de la Casbah qui tranche la mer, Absolument. Qui entre dans la mer, qui, mm-hmm. qui est entourée de mer et qui a permis à Al-Jazair d'avoir son premier port. Alors on connaît son histoire, c'est Khaledine qui a... La jetée. Mm-hmm. Voilà, qui a décidé de bâtir cette jetée, de relier la le rocher qui abritait la forteresse du Pénon mm-hmm. à la Casbah. Donc il y a eu la jetée. Cette jetée a permis à Al-Jazair d'avoir une darse, un bassin, oui. qui a permis aux navires d'arriver. Et plus tard, on abrite cette darse par un monument majestueux très haut qui allait permettre à ce bassin d'être protégé du vent du Absolument. Nord. Et donc ce monument est la voûte Khaledine mm-hmm. aujourd'hui qui abrite notre musée. Absolument. Donc voilà. c'est tout un ensemble. Il y a cette donc on a tout un florilège de petits bâtiments donc qui remontent à l'ère ottomane, l'ère de la régence d'Alger. Mm-hmm. Donc on se situe à peu près au XVIIe, XVIIIe siècle et XIXe siècle. À partir du début du voilà. VIe siècle. Donc on fait bâtir cette jetée et ensuite on renforce ce qu'on appelle le mol. On le renforce de monuments défensifs, à caractère mmh. défensif. On les connaît aujourd'hui, ils sont très documentés. On a la voûte Khaledine, mmh. le Burj Al Asmol, Burj Al Fnar, mmh. Burj Sardine, Burj Mabin, et beaucoup d'autres voûtes qui servaient et de fortifier ce mol, mais aussi de défendre oui d'abriter aussi ses richesses voilà cette communauté de Ries donc avait pour quartier général cet endroit exact. Donc la taïfa on les appelait comme exact. Ça la taïfa de Ries avait pour base pour bâtir ses stratégies pour recevoir aussi les navires oui. pour aussi traiter de façon administrative tous les revenus issus de la mer bien donc sûr. Bien dans sûr. Ces endroits-là et aujourd'hui ce complexe cette amirauté abrite un complexe architectural très riche, mm-hmm. Qui est pas très connu, mais qui est très riche et qui est encore en très très bon état. Mm-hmm. Absolument, voilà. absolument. En tout cas, c'est le musée public national maritime qui veille au grain pour traduire toute cette connaissance de notre patrimoine subaquatique et aussi voilà oui. qui est aussi matériel et visible. Alors oui, quand on dit patrimoine maritime. On a ce patrimoine qui est cet héritage qu'on voit sur la côte algérienne, mm-hmm. mais aussi qui est enfoui sous l'eau, qui est immergé, qui est bien protégé sous l'eau et qui révèle un pan de notre histoire qui revient à la haute antiquité. Donc il y a des épaves de toutes les périodes qui sont sous l'eau et qui ont des histoires à raconter. Oui. Absolument. Donc c'est bien d'avoir comme ça la transition par le biais du musée pour raconter ces belles histoires. En tout cas, le mois du patrimoine vient de s'ouvrir et bien sûr avec l'avènement du mois du patrimoine, toutes les institutions culturelles proposent des programmes. Qu'en est-il justement du musée public national maritime ? Alors, la nouveauté, c'est que le musée maritime pour le mois du patrimoine est ouvert tous les jours, mmh. du 18 avril au 18 mai,
nous pouvons recevoir le public. Ils sont invités à venir voir notre exposition permanente, mais aussi nous organisons des expositions temporaires et aussi des événements. Alors des événements nous en avons quatre. Chaque semaine, nous avons un événement. Cette semaine, jeudi 27, on organise un hommage à toute la production culturelle qui a été produite par Momo, oui. Himoud Brahimi. Himoud Brahimi, donc le poète de la Kasbah. Exactement, exactement. Oui. Il a eu un lien particulier avec le MOL. Il a été l'homme poisson. Il a détenu le record de plongée en apnée. Et il s'est toujours inspiré de la Kasbah. Oui. Il a vécu toute sa vie. Il est né et mort à la Kasbah. Voilà, c'est vrai que beaucoup de personnes connaissent le poète, mais ne connaissent pas l'autre facette de ce poète de la Kasbah, celui du plongeur. Et il allait justement vers la Boutrerdine pour plonger. Il allait vers la pointe de la Mirauté et il plongeait. Alors, c'est M. Amar Belkhoudja qui raconte, il paraît qu'il plongeait et les habitants de la Kasbah venaient le voir. Il paraît que c'était un grand spectacle. Mmh. Donc il venait, on savait d'où il plongeait, mais on ne savait jamais d'où il allait sortir. Ressortir. Et comme son apnée, sa capacité d'être sous l'eau était assez longue, il avait atteint les 5 minutes, il avait dépassé les 5 minutes. Donc on attendait sa sortie. C'était un moment magique. Un moment magique qui allait se produire. Et c'est tellement beau de rappeler cette belle histoire. Donc ce sera jeudi à partir de quelle heure ? De 10h. Il y a Amar Belkhoudja qui présente sa biographie, un peu toutes ses facettes, tout ce qu'il a produit, et aussi sa fille Douja qui va déclamer ses poèmes. Voilà, il y a une déclamation poétique de Douja Safi, mais aussi d'autres poètes qui ont tenu à participer à l'événement, n'est-ce pas ? Exact. Il y a son fils aussi qui va assister, qui est virtuose de la musique andalouse. Il y a ses amis, ses proches amis qui ont été invités, qui vont témoigner de certaines histoires de Himoud Brahimi. Ah, ça me tente personnellement et j'espère qu'ils seront nombreux à suivre justement l'élan de Amar Belkhoudja, mais aussi le musée qui offre cette opportunité, en tout cas au public, de connaître un peu plus Momo. Et donc c'est jeudi 27 en matinée, vous en disiez. En matinée, à très partir bien. De 10h. Ça c'est la première programmation spécifique à ce mois du patrimoine, mais il y en a d'autres aussi. Hein. Alors, on profite de ce mois pour rassembler. On a une belle image de Momo aussi. C'est Yabajati. Yabajati, voilà. Là, il est en train de déclamer en principe un très beau poème dédié à la Kasbah et à Alger. Il questionne toujours Bajati. Il s'adresse toujours à la Kasbah et il raconte la beauté de la Kasbah d'une manière extraordinaire. Voilà, d'ailleurs le public l'a découvert pour la première fois, je ne parle pas des habitants de la Kasbah et des habitants d'Alger, mais les Algériens de manière générale ont découvert à travers Yahya Hadidou, donc ce film qu'il a mis en avant. Et donc on avait ce personnage insolite qui déclamait un poème un peu extraordinaire. Exact, et qu'on prenait pour fou, mais il disait des vérités. Absolument, absolument. Donc voilà, on revient donc à cette programmation. Première journée donc importante de ce mois du patrimoine, on l'a vu, c'est l'hommage à Momo, donc Himoud Brahimi. Et puis il y a une autre journée qui est consacrée à l'enfance, il me semble. À la fin du mois du patrimoine, mais avant, on organise une journée. Voilà. Pardon. Voilà, c'était un cri particulier, celui de Himoud Brahimi, donc alias Momo, l'Ahirahmo. Donc voilà, oui, donc la seconde journée, manifestation, ce sera le 4 mai prochain. Oui, pour rassembler un peu les
les spécialistes des musées nationaux et pour discuter autour de l'inventaire, de cette procédure, de l'importance de l'inventaire, des objets qui accèdent au musée et comment, quel est le circuit de l'objet dans le musée jusqu'à l'intégrer aux collections muséales et même à son inscription au patrimoine national. Donc ça serait une grande discussion autour de ça et nous invitons des professionnels de différents musées. Donc un espace ouvert aux professionnels. Et au public, bien sûr. Et au public aussi, donc désirant connaître ces petites spécificités quant à la conservation des objets muséaux et leur cheminement. Donc, Tenions à cette journée parce que, comme vous disiez, nous sommes un musée encore jeune. Et donc, acquérir cette expérience qui a été déjà acquise par les autres musées, c'est très important pour nous. Et donc, parler de cette action. Parce qu'il ne suffit pas de mettre un numéro à un objet pour dire qu'il est inventorié, mais aussi de reconnaître sa valeur historique, sa valeur culturelle et comment cette procédure se fait pour l'intégrer à une collection muséale. Absolument, voilà. Absolument. Donc c'est dire un petit peu l'intérêt que vous portez à tout ce qui relève de la conservation et de l'inventaire de ces objets qui sont précieux et qui racontent notre histoire. Parce que l'objet, quand il est dans un musée, il doit aussi être conservé, que ses valeurs soient conservées durant toute sa vie pour nous et pour les générations futures. Et puis, bien sûr, pour gérer ces aspects, il y a aussi cette réglementation d'accompagnement. Alors oui, et nous organisons une autre journée de rencontre, une rencontre autour de la réglementation, mais cette fois-ci pour la protection du patrimoine subaquatique. L'Algérie a ratifié une convention pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. Donc, on réunit un peu les hommes de loi qui ont travaillé sur cette réglementation pour en parler, pour en tirer des recommandations. Oui, c'est vrai qu'on connaît ce qui est la partie visible de l'iceberg, comme on dit, mais la partie invisible est très riche en matière justement d'inventaire, d'objets muséaux ou d'éléments muséaux donc très intéressants qui pourraient par la suite révéler des histoires. Exact. Ce sont toutes ces épaves, tous ces canons aussi parsemés ici et là. Alors le musée, dans l'équipe du musée, nous avons des archéologues plongeurs qui ont fait une formation et qui plongent et qui ont travaillé sur plusieurs épaves de notre côte, notamment, comme vous le savez, les canons de Cherchel. Oui. Et nous avons procédé à l'inventaire de ces canons, d'un relevé. Nous avons réalisé un relevé de l'épave qui est sous l'eau. Qui est sous l'eau. Et ça a été un moment très, très fort du musée. J'imagine. Nous avons aussi travaillé sur une épave qui comportait des meules en pierre et qui se trouve à Tamman Foust. Et nous avons découvert 10 meules qui devaient être sûrement exportées par le navire et qui avaient échoué, qui a laissé ces meules sur place. Et c'est un très joli site, en plus qu'il y a quelques mètres de la plage, donc on peut y plonger, le visiter sans matériel. Et nombreux sont les musées qui recèlent justement des amphores qui remontent à l'Antiquité, qui racontent un peu l'histoire des échanges commerciaux dans la mer Méditerranée. Bien et Dieu sait que la flotte algérienne avait son poids dans cette mer Méditerranée. Exactement. Et d'où un petit peu l'importance de ce que racontent ces épaves, effectivement. Oui. L'amphore est un indice révélateur. C'est vrai que c'était le conteneur de la période antique. Grâce à cette amphore, on peut savoir où elle a été faite, où elle a été fabriquée et qu'est-ce qu'elle comportait et où elle allait. Absolument. Voilà. En tout cas, le regard des enfants, vous donnerez de l'importance au regard des enfants à la fin de ce mois de patrimoine. Et c'est avec cette idée qu'on va clore cette rencontre alors, ce matin. Alors, on organise une exposition des travaux d'enfants. On a appelé ça
Touratina bi'aïdia ou atfalina. Donc, ce sont tous les objets qui ont été produits par les enfants avec un peu leur imagination depuis qu'on organise des ateliers. Et c'est une manière ludique de présenter notre patrimoine. Oui, absolument, voilà. Avec des regards d'une grande naïveté. Oui, des couleurs inattendues, des formes inattendues et puis qui prouvent que l'enfant non seulement a mimé, peut-être a mimé, mais aussi a donné de son imagination dans cet objet-là. Et il l'a ressenti surtout. Il l'a ressenti, il a compris, puisque quand il arrive, on lui explique à quoi sert l'objet, comment il a été fabriqué. Ensuite, on lui donne la matière et il fabrique. À sa manière. Merci infiniment. Merci. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Amel Mokrani. Donc, je rappelle que vous êtes la directrice du Musée public national maritime d'Alger. Bon vent pour toutes ces belles initiatives. C'est le moins qu'on puisse vous dire. Et on vous souhaite de passer justement un bon mois du patrimoine, ainsi que tout l'ensemble de tous ceux qui travaillent dans nos musées. Donc, les musées sont ouverts durant ce mois. Profitez-en avec vos enfants. Allez-y en famille. Donc, c'est de 9h à 16h tous les jours. Exact. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Hein. Merci infiniment. Merci. On va permettre, justement, on a beaucoup parlé de ce musée, on va permettre aux téléspectateurs qui nous suivent ce matin de le découvrir davantage à travers un reportage, un zoom, donc, qui a été réalisé par Lamia Boudbouda. Et c'est parti. Le Musée national maritime d'Alger se situe au pied de la Casbah, dans les imposantes voûtes Khertin, construites en 1814 par Hadj Ali Pacha et qui ont servi d'atelier de réparation de la flotte sous la régence ottomane, avant que l'occupation française n'y installe des fours à pain pour leurs soldats. Docteur Amel Mokrani revient sur ce lieu chargé d'histoire. Nous sommes au sein de la voûte Khertin qui se trouve sur la jetée Khertin. Et ce monument n'a pas existé après une longue histoire, après avoir décidé de relier les îlots qui ont fait le nom d'Alger, Al-Jazair, Al-Jazour, les îles. Quand Khertin Barbarossa a décidé de relier ces îlots à Al-Jazair, à la Médina. Donc il a créé cette jetée, cette mythique jetée, qui a aussi permis à Alger d'avoir son premier port, sa rade, son mouillage pour les navires. Donc oui, c'est chargé d'histoire. Et ensuite, plus tard, on renforce cette jetée par l'édification, par la construction de ce monument majestueux. Vous l'avez visité. Et cette voûte réelle, cette succession d'arcs et de voûtes d'une hauteur monumentale et qui sont impressionnantes. Les visiteurs du musée peuvent découvrir des outils utilisés dans la fabrication et la réparation des navires, des instruments de navigation et objets découverts dans les fonds marins. J'ai ramené mon fils et ma petite fille, car à l'école, ils apprennent l'histoire et c'est mieux qu'ils aient une mémoire visuelle. Ça facilite l'apprentissage. C'est un acquis qui soit ouvert au public. C'est un acquis qui a des images, des restaurations. C'est encouragé, ça prend beaucoup de temps. Ça a été englouté pendant des siècles. Mais maintenant, ça commence à émerger, ça commence à voir le jour. C'est notre histoire et c'est notre mémoire. Alors, c'est à faire restaurer. On a besoin de ça, on a besoin de notre histoire. Remontant jusqu'aux périodes préhistoriques, antiques, médiévales et ottomanes, le musée œuvre à restituer la vie de l'homme depuis ses premiers contacts avec la Grande Bleue. Des élèves d'une école de langue de Blida font la visite. J'ai choisi ce musée parce qu'il est chargé d'histoire et de culture algérienne. J'ai voulu que les élèves de notre académie apprennent sur l'histoire de l'Algérie. Ce musée nous a donné un aperçu sur la flotte algérienne. Un lieu
chargé d'histoire où vous pourriez faire la découverte de quelques maquettes de bateaux qui témoignent du génie créateur maritime algérien, à l'exemple du Chébec. Vous pourriez aussi découvrir les principaux sites de fouilles archéologiques subaquatiques. Nous avons aussi une partie qui est consacrée au patrimoine subaquatique. Donc tout ce patrimoine archéologique qui est enfoui sous les eaux algériennes et qui sont le miroir de notre histoire, qui explique notre passé, notre histoire avec la mer. Donc, sous l'eau, il y a des épaves, il y a des villes englouties, il y a tellement de... On dit que le musée, la mer est le plus grand musée au monde. La mer conserve des trésors, on ne va pas dire des trésors, mais des objets qui reflètent notre histoire. Et le musée maritime a pris conscience de cette richesse, de ce potentiel, et a formé une équipe d'archéologues plongeurs en plongée sous-marine. Le musée national maritime d'Alger se veut un miroir fidèle du passé maritime glorieux d'El Jazeer, un lieu à visiter absolument. Et on revient au studio 7, le studio de Canal Algérie, l'arrivée de nos amis, donc qui rigole. un fou rire à chaque fois quand ils arrivent, le trio d'enfer, effectivement. Donc, Mariam, bonjour. Bonjour. Hi, Dick. Ça va, là-bas, ça va être comme. Regarde la formule, ça va être comme. Très bien. Il ressemble à Yachar Kemal, l'écrivain turc. Ah, Mehmet le fou, Mehmet le mince. Mehmet le mince. Très bien. Yazid, donc vous venez chaque dimanche avec des coups de cœur. Oui, je suis venu avec des coups de cœur. Qui vous surprennent à chaque fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez choisi? Ben, c'est toujours l'intelligence artificielle, toujours le chat GTP, mais ce n'est pas le chat GTP, c'est AGI, Artificial Intellectual, l'intelligence artificielle. Général, en fait, d'accord. C'est AGI, Artificial General Intelligence. Mm-hmm. C'est quoi? En fait, c'est un produit qui va faire face à ChatGPT, puisque le ChatGPT, c'est de générer un peu du texte d'une manière, ça ne s'arrête pas. À chaque fois, il y a un dialogue, etc. Mais le AGI, en fait, il va travailler sur les résultats de Open. Intelligence artificielle, il va travailler sur ça et puis il va régénérer aussi du texte et c'est à l'infini, en fait. Et c'est un japonais qui s'appelle Kawasaki, pas Monsieur Kawasaki, c'est là. S'appelle Yohi Nakajima. Yohi Nakajima, c'est lui qui a mis sur pied ce produit qui est, enfin. Il a été un petit peu... C'est l'initiateur. Oui, mais il a eu un coup de marketing au nom de Baby AGI. Mm-hmm. C'est un peu de marketing pour vendre, etc. Finalement, c'est une affaire de sous aussi. Et là, il dit que maintenant, ils vont être autonomes, en fait. C'est une guerre, en fait, entre ces produits de l'intelligence artificielle et qui vont être autonomes. Il rappelle après pour dire que... En fait, sans validation humaine, rien ne marche. Sinon, ça va être la pagaille. Oui, en fait, voilà ce qu'il raconte, etc. Ça va raccourcir énormément de chemin pour les créateurs, pour les personnes qui Oui, ça reste l'éternelle question entre l'homme et la machine. Et la machine.
doit être au service de l'homme, mais non pas le contraire, sinon... En fait, la réalité a rejoint la fiction. La fiction, la fiction, hein, la fiction. On a vu plein de films qui abordaient ça. Asimov, dans la robotique, c'était des romans d'anticipation. Ils avaient beaucoup parlé de l'autonomie de la machine qui va avoir sa propre vie. Et nous y sommes. Hein, nous y sommes, c'est l'air justement. Oui, en fait, toutes ces machines, etc., tout ce qu'on est en train de voir, toute cette révolution cybernétique, tout ça, etc., ça va demander de l'énergie, ça va être aussi un coût pour cette couche d'ozone qui est sur nos têtes. Et l'énergie solaire, les Algériens, ils en ont pensé. Mm-hmm. Deux Algériens, en fait, deux ingénieurs de Cherchel, ils ont mis sur pied carrément une station solaire pliable et mobile. Très bien. En fait, c'est deux Djamel, Djamel Bachiri et Djamel Foudil, c'est des ingénieurs qui ont breveté, donc à l'INAPI, ce prototype de mal. Un kit modulable et il est de 32 000, 3,7 kilowatts. Oui. Et le coût, c'est 32 000 dinars, en fait. Mais ils attendent à ce que ce projet doit être, une société qui va le commander pour pouvoir le mettre sur pied. Le passage à l'industrie. Ouais, et puis, il est très utile, notamment pour dans les régions isolées, dans les champs gaziers qui sont isolés, en cas de catastrophe naturelle, et puis aussi pour les nomades. En cas de bivouac. Pour bivouac, mm-hmm. Et puis pour les nomades aussi, et également pour en cas de catastrophe naturelle, et puis pour le pompage d'eau. Absolument. Pour le pompage d'eau, on a besoin de pompes à eau alimentées en énergie solaire. Donc en fait, voilà, il y a quand même quelqu'un qui a initié ce travail, ça fait bien longtemps, c'est notre ami de Bruxelles, Abdelrahman Abban, qui a initié ce qu'on appelle la valise solaire. La valise solaire, qu'on a reçu plusieurs fois sur ce qui est du côté de Valenciennes et puis de Bruxelles, etc., qui a déjà breveté en Allemagne cette valise solaire, effectivement. Direction en Chine, donc il y a l'équipe algérienne qui a eu les domiciles du côté de Pékin et de Shenzhen pour participer à Tech for Startup. Donc Sprint, ils vont un petit peu représenter notre pays dans le domaine de l'innovation puisqu'ils ont eu ce concours de Huawei, concours international de Huawei. Donc ils vont participer, vont y aller à Shenzhen qui est l'une des plaques tournantes. On les voit justement à l'antenne, cette belle petite équipe, une belle brochette. Donc ils vont rentrer aujourd'hui parce qu'ils sont partis le 17, ils reviennent le 23, marhaba bikoum, et saha aidkoum. Direction, du côté du musée du Bardo, parce qu'en fait, hier, c'était l'anniversaire de l'assassinat du Mujahid Malki Mohamed, qui a été assassiné le 22 avril 1962. Dans la cité Portland, d'ailleurs. Voilà, avant, c'était les Allobroges, et après, la cité a été baptisée au nom de Malki Mohamed. Et ce qui est bien, c'est qu'une recherche, sur la préhistoire, porte le nom de Malki Mohamed. C'est un site préhistorique du côté de la cité Malki qui a été fouillé, juste après, au début de 1962. Et c'est les grands préhistoriens Hadjouis et Bakhtash et Einzman qui ont prospecté et fouillé du côté d'un bâtiment où là ils ont trouvé une brèche. Cette brèche, elle est au niveau, on la voit, elle est au niveau du musée, à l'entrée du musée Bardo. Et là, donc, dans cette brèche, il y a eu quand même beaucoup de fossiles, de rhinocéros, de bovidés, d'équidés, et c'était le site Atérien des Allobroges, Atérien par rapport à Berl Ater, qui est l'un des sites les plus anciens. Et c'est la Pléistocène moyen, c'est 40 000 ans avant notre ère. 40 000 ans avant notre ère. Il faut quand même, Monsieur Hachi, il faut quand même la baptiser au moins une petite... Et en fait, cette recherche qui concerne le cheval barbe,
on voit une vidéo sur Internet que Oma Sip reprend, etc., où elle parle de ce lieu où ce cheval barbe, ses origines sont de l'Afrique du Nord, ils sont des Allobroges et de la cité Malki. Et Malki insiste, c'est ce cheval barbe qui a honoré la mémoire de ce Mujahed qui a, quand la science et le patriotisme fusionnent, ça donne ce Malki. Et ainsi, Allah yarham shuhada, Allah yarham tous ces martyrs tombés au champ d'honneur et sous les balles assassines de l'OAS, parce que juste avant, c'était Mouloud de Pharaon et ses compagnons qui ont été assassinés le 15 mars 1962. Et voilà, donc j'ai terminé juste que la dernière fois pour le générique de fin, on a choisi une chanson et puis personne n'a dit rien. Et moi, je savais, mais j'ai oublié de le dire et je me suis dit, je vais me rattraper. D'accord. Je vais me rattraper. Nous allons écouter juste un petit extrait pour dire que Cheikh El-Hasnaoui a chanté en fait Inès Madias. C'est une chanson sur l'exil. Et puis elle a été reprise par cette chanson. Par Khaloui Elouines, qui a chanté avec un groupe d'Espagnols. Donc, c'est une petite fusion un peu à la world music. Donc, il y a deux ces grands chanteurs-là, de la musique algérienne, Khaloui Elouines et Cheikh El-Hasnaoui. Voilà, on a rendu à César ce qui lui appartenait, donc un hommage à Cheikh El-Hasnaoui, justement. Donc, à c'était présent, une petite touchia, François Vert. Pour le générique de fin, on va réécouter en on fait. On va réécouter à la fin de l'émission, voilà, justement, notre extrait. C'est une belle touchia, n'est-ce pas? Oui, un très beau phrasé de bonjour. Voilà. Absolument, absolument. Donc c'est... Bien sûr. On vient de là. Ben oui, douakène ou... Douakène tchalak l'arrière. Non, c'est une famille de mélomanes. Il y a même un chanteur connu dans la famille de Djawed Guessouma ici présent. Deux chanteurs. Mohamed Sergoua. Et un peintre. Et tous les autres sont en drabki. Il n'y a pas de problème. Question rythme. On est. Et puis toutes les femmes, elles chantent avec Gerwabi. Elles ont tout le répertoire. C'est incroyable. Je ne sais pas comment elles ont fait. Non, mais elles sont facilement. C'est une famille de mélomanes. C'est dans le sang, comme le dit. C'est dans les veines. Comme le disait à l'instant Yazid. Donc, on vient à vous, Djawed, pour parler justement de deux auteurs ce matin, donc Abou Samra, entre autres. Oui, et aussi Khaled Naili. Et là, donc, juste avant, on va un peu évoquer le salon du livre Hassib Mbouali pour sa troisième édition qui va se tenir à Chlef. Donc c'est un salon qui est très couru. Donc cette année, il est dédié aux femmes avec le slogan « Femmes et éducation, la lutte permanente pour le progrès et la dignité ». Donc cette année, il y a le ministère des Moudjahidines, des anciens et des Shuhada. Il y a le CRASC d'Oran qui va participer, il y a le CNRPH aussi, et donc les presses du Chélif organisent donc ce salon qui va être dédié donc aux femmes, au progrès, tout ça, et qui vont évoquer aussi les femmes moudjahidettes. Il y a aussi les écritures sur l'histoire. Il y aura beaucoup d'ateliers pour les enfants. C'est pour ça qu'il porte le nom de Hassib Mbouali. Voilà, Hassib Mbouali, l'université de Chlef porte le nom de Hassib Mbouali. Donc, évidemment, avec la participation de l'université de Chlef. Donc, ça sera du 1er au 4 mai, avec un hommage aux Moudjahida, les sœurs Bej, Hassib Mbouali, les cousines Hadidou, la défunte Moudjahida Tamani Bettache,
et beaucoup d'autres shahidat et mujahidat qui ont marqué aussi l'histoire à travers l'écriture et tout. Donc voilà, donc il y a bien sûr beaucoup d'éditeurs nationaux tout, qui seront présents. Et c'est donc un salon très couru, donc du 1er au 4 mai prochain, voilà. Tout le monde est convié à la maison de la culture de Chlef. Puis après, un petit voyage vers cette terre sacrée de Palestine, à travers un livre de Omar Abou Samra, qui est ingénieur chimiste, qui vit actuellement à Istanbul, qui a étudié la chimie. Il est natif de Haïfa, en Palestine occupée. Et donc, l'Ashjar al-Oula, les premiers arbres, est un roman très... Il est à paraître, donc ça c'est en exclusivité qu'on l'a eu quand même, il commence à nous faire confiance, les éditeurs. C'est très bien, c'est très bien. Donc, il nous présente. Voilà, Ashjar al-Oula est un roman qui commence dans l'acte fondateur, est à la Nakba. Il parle de Nadia al-Faour, qui était la grand-mère de Omar Abou Samra, parce que là on devine, parce que ça se passe à Haïfa. Et c'est à la Nakba, à la fin des années 40, 1940, donc 1948. Où les Israéliens, l'entité sioniste, va occuper cette ville et elle va vouloir accaparer la maison de cette Nadia al-Faour. Mm-hmm. Et ça va être un acte fondateur parce que Nadia al-Faour va refuser de donner l'acte de propriété de sa maison. Et elle sera donc tuée par une organisation terroriste, la Haganah, qui a commencé à terroriser les Palestiniens, qui était plus la spéculation foncière. Qui à était beaucoup composée de femmes, ce qui est très, très, très bizarre, de femmes hyper violentes, qui maniaient le poignard. C'est incroyable. Donc, la Haganah était faite de sorte, pas de mercenaires, mais de soldats vraiment, de militaires qui maniaient la violence et qui expatriaient justement les villages, qui enlevaient, n'expatriaient pas, c'est-à-dire ils éliminaient carrément les autochtones. Ils chassaient carrément et tuaient quasiment les occupants originels et ils réoccupaient ce village avec l'incursion d'une autre histoire. Et donc Omar Abou Samra a des extraits de cette histoire et il les décline à travers un monologue. Donc son roman est fait décliner les premiers arbres, Ashjar al-Oula, aux éditions Hachette, va décliner un monologue qui est interrompu par sa discussion avec un soldat israélien. C'est vraiment une manière de décrire toute cette histoire et va nous faire une saga de cette fameuse Nakba à nos jours. Puisque jamais cette maison n'a appartenu aux Israéliens, en fait. Absolument. Puisque l'acte de propriété, elle ne l'aura jamais donné à Nadia al-Faour, qui est devenue par la suite une héroïne. Donc voilà, donc c'est vraiment à lire, je pense, qui va être très intéressant. Donc ici, une autre saga, celle de Khaled Naimi. Et donc oui, après on a aussi encore en exclusivité, ça fait plaisir, Dar Othmaniya qui nous ont confié un livre. Mais là, j'ai un peu triché parce que je me suis rappelé d'une petite anecdote. Vous verrez probablement à l'image que Les chemins inattendus est le nouveau roman de Khaled Naili. Khaled Naili est un jeune biologiste très curieux des choses et tout, et qui nous a fait un superbe premier livre qui s'appelait Et la mer nous emportera, qui parlait de la présence espagnole. Il y a un indice sur la couverture du livre. Je remercie d'ailleurs l'éditeur pour ça et l'écrivain pour sa générosité et son partage. J'ai préfacé le livre, donc. D'accord. Donc j'ai un peu triché. Aujourd'hui, on est un peu. On est en train un peu de se faire. Je me disais hier, devine qui a fait la préface. J'ai pas deviné. D'autopropulsion. Malice, on va essayer. Et c'est donc une écriture toute mimounienne. Donc je disais que Khaled Naili avait fait Et la mer nous emportera, qui est une saga de la présence, pendant la présence espagnole en Algérie, après la présence ottomane, il a fait une saga, mais alors là, magnifique. Magnifique parce qu'il est dans une écriture
vraiment très colorée, très, très forte, très, très puissante, où il décrit ce, et il a une très belle histoire d'amour, et l'histoire d'un raïs, d'un raïs imaginaire, mais vraiment accolé à la réalité de l'histoire. Et donc vraiment génial. Là, il est revenu avec une histoire très contemporaine. Donc je disais que c'est une écriture mimounienne, empreinte de sensibilité et de pertinence. L'écrivain nous mène par les yeux à une séance anthropique dans la ruralité glaçante des années rouges. Mmh. C'est-à-dire que lui, il va faire une saga de deux personnages, des personnages qui sont Saber et Malek. Et ces personnages qui sont universitaires, il va nous faire cette saga dans Des chemins inattendus, qui est paru aux éditions Othmania. Et c'est vraiment une histoire sur l'Algérie contemporaine, un passage comme ça, vraiment très fort. À découvrir. À découvrir. Absolument, c'est aux éditions Othmania, le livre est sorti et va être bientôt diffusé. Chez les bons libraires. Donc oui, partout en général, Othmania est aussi diffuseur. Donc voilà. Donc Des chemins inattendus. Mais très intéressé. Khaled, oui. Oui, je vous l'offrirai parce que j'ai des exemplaires un peu gratuits. Ah oui, c'est le bon. Il n'y a pas de souci. Je vous le dédicace. Mais vraiment excellente lecture. Voilà. Qu'est-ce que vous aurez à offrir, Mériam, en échange? Peut-être quelques cours de jardinage si tu as la main verte. Oui, ça oui. Non, j'ai la main verte, il n'y a pas de... Eh ben d'accord. Ah ben c'est pas mon cas. C'est pas grave, j'avais dit aussi quelque chose. On va négocier. Très bien. Aujourd'hui, Mériam, vous vous intéressez à un condiment qui est crucial pour tous les mets. Et oui, crucial, exactement, dans pratiquement toute la cuisine méditerranéenne et autres. Et ce n'est que l'ail, en fait. Cet ail que nous retrouvons en ce moment sur le marché, c'est la pleine saison de l'ail, mais en fait, à ton avis, pourquoi j'en parle? Ah, ben ça, c'est la question que je devrais moi poser. D'accord. On va inverser les rôles. On inverse. Alors, pourquoi l'ail aujourd'hui? Eh ben, pourquoi l'ail? C'est pas parce qu'en fait, ça fait fuir les vampires, absolument pas, mais plutôt parce que, en fait, on sait très bien qu'on est au troisième jour de l'Aïd, qu'on a fait toutes sortes d'excès, et tout le monde a commencé par moi. Donc, gras, sucre, surtout sucre en particulier, donc on s'est donné sur les gars, on s'est jeté sur les gâteaux et tout ce qui s'ensuit. Et je parle de l'ail parce qu'en fait, c'est un excellent aliment pour faire baisser le taux de glycémie dans le sang. D'accord. Voilà. Il est connu depuis la nuit des temps. Il y a à peu près 5000 ans, déjà, on avait découvert tous les bienfaits de l'ail, puisqu'on a retrouvé la plus ancienne recette de cuisine contenait 2 gousses d'ail. Donc, c'est dire qu'il y a très longtemps qu'on a découvert Quelle recette? Je crois que ça devait être une espèce de... Du garum. Du garum pour rester dans... Tichertis, mititus. Le quichetis. Tichertis. Mititus. D'accord. Voilà, ça devait être à peu près ça. Donc j'en parle pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la pleine saison, c'est le moment de ne pas l'acheter. À condition. Pourquoi je dis de ne pas l'acheter? Parce que ce n'est pas encore le moment d'acheter l'aoula, c'est-à-dire cette ail qu'on va garder pendant plusieurs mois. On va le mettre à l'ombre, à l'abri de l'humidité et tout. Là, en ce moment, c'est le moment de le consommer. Comme ça, en fait, frais. Pourquoi? Parce qu'en fait, son goût n'est pas aussi fort que quand il est séché. Il est gorgé d'eau, donc il a une toute autre saveur que quand il est séché et que ça fait déjà quelques mois qu'on l'a ramassé. Donc voilà pour ce côté-là. Donc profitez de le mettre un peu partout, de le cuisiner et bien entendu... Un hypotenseur aussi, paraît-il. Un hypotenseur, hein, exactement. Mm-hmm. Un hypotenseur, il fait baisser aussi. Donc, on dit le mauvais cholestérol, mais en fait, il participe à faire baisser le taux de cholestérol aussi dans le sang. En fait, l'ail, au départ, quand il a été découvert, c'était plutôt pour ses vertus médicinales que pour ses vertus, on va dire, culinaires et tout ce qui s'ensuit. Mm-hmm. Donc, ce condiment a d'abord été... un médicament, donc avec quoi on soignait beaucoup de maux, puisqu'on sait très bien qu'on soigne plein de choses. Jusqu'à aujourd'hui, il y a par exemple des espèces de petites maladies, comme par exemple la teigne, comme par exemple la pelade. On sait très bien que, en fait, les résultats sont excellents. Les vieux remèdes de grand-mère, prendre de l'ail rouge, frotter sur les parties où les même les verrues, la légende. Voilà. Pour le cuir chevelure. Moi, je l'ai essayé, mais ça n'a rien donné. On a dit teigne et pelade. Elle a dit pelade, elle n'a pas dit pelade. Si, je passais mon temps à presser sur mon crâne, mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné. Ouais. Tu sentais juste la moustache. Tu t'es récupéré sur les moustaches quand même. Exactement. Pour la moustache, oui, peut-être. C'est bien gâté, ça va. Voilà. T'es une avortance, c'est bon.
Bon, voilà, débarrassé du coiffeur, voilà. Débarrassé de tout. Mais là, il y a un petit coupé finement dans une salade de tomates avec un peu d'huile d'olive et vinaigre. C'est excellent pour la santé. C'est curieux. Ouais. Merci, chef. Merci. Quand les deux battent. Ça règle. Recette de la grand-mère. Voilà. Donc, ouais. Ça règle aussi les problèmes de rythme cardiaque. Par rythme cardiaque, effectivement, c'est bon aussi pour tout ce qui est. En fait, bon, ça donne quand même un peu des ballonnements. Mmh. Bah, après ça, on peut le régler en prenant des tisanes à côté. Voilà. On ne va pas se priver de là juste à cause des petits soucis. Les bienfaits sont plus Voilà. Et en fait, le dernier petit détail dont je voudrais parler, c'est en fait qu'on peut avoir un petit peu d'ail à la maison en permanence. Bien entendu, pas les gousses, on ne va pas utiliser les gousses. Mais en fait, on prendra juste quelques gousses qu'on mettra dans un petit pot à la fenêtre dans la cuisine. Et en fait, quand on arrosera généreusement, ce qui ira, c'est qu'on aura toujours des tiges d'ail qu'on pourra utiliser. Comme tu l'as dit, quand on en aura envie, c'est beaucoup plus doux, c'est clair que la gousse en elle-même. Donc en permanence, à chaque fois qu'on coupera les petites dix, voilà, ça va germer. Et donc au bout de 15 jours, 3 semaines, on aura toujours. On aura quand même un petit. Bien entendu, on aura du bulbe, mais en fait, le bulbe ne sera mais pas très important. Mais il ne fait pas bon ménage avec l'oignon, non? Si, généralement, si. Des fois, tu peux, dans certains mets, on fait une base d'oignon et après, on rajoute toujours de l'ail pour affiner le goût. Voilà. Moi, je pensais que c'était au jardin. Bon, si c'est au jardin. Je pensais qu'on pouvait se contenter de l'ail, non? Il peut y avoir des recettes exclusivement faites avec de l'ail. Il peut y avoir l'inverse. Généralement, toutes les sauces blanches, que ce soit dans la cuisine algéroise, c'est toujours l'oignon qui n'est pas l'ail. Beaucoup moins l'ail, effectivement, dans la cuisine algéroise. Beaucoup plus l'oignon que l'ail. Donc voilà, on peut avoir ça dans nos cuisines. On peut avoir en permanence des tiges d'ail qu'on coupera dans nos salades, qu'on utilisera, on va dire, au gré de nos envies. Voilà, sans aller, on va dire, le chercher, essayer de trouver... Donc cette ail-là... Il vient d'où l'ail ? En fait, elles sont très controversées, l'origine de l'ail. Certains disent que c'est à l'époque de Christophe Colomb qu'il a été ramené d'Amérique latine. D'autres qui te disent non, en fait, ça vient plutôt d'Asie, où déjà on avait trouvé des traces. Une chose est sûre, si chez les pharaons, il y a 5000 ans, il était là et on l'utilisait déjà. Voilà. Merci infiniment, les amis. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. On avait promis un extrait de Cheikh Lasnaoui tout à l'heure et on va l'écouter, bien sûr, pour finir cette émission.